coup de cœur du moment est le roman « Mangé par la terre » de Clotilde Escal, publié aux éditions du Sonneur. Dans ce roman hautement tellurique et crasseux, se dissimulent des êtres à la marge, prisonniers de leur village et d'eux-mêmes, dont deux frères, deux brutes épaisses qui s'amusent à provoquer des accidents de voiture et utilisent une jeune fille fragile comme objet sexuel. Jeanne, adolescente paumée qui dessine des villes imaginaires en fantasmant son départ pour l'Amérique, ou encore le notaire du village qui trompe l'ennui en jouant à Bubble Shooter et en couchant avec la femme du médecin. Sous ces portraits cruels, décadents, sans concession, on devine la sauvagerie et la résignation. Entre l'homme et l'animal, il y a peu de différence, à part cette conscience de la mort, cette conscience que la terre avalera bientôt les corps, et cet ennui profond qui annihile tout espoir et renforce le sentiment d'enfermement. Un roman furieux, rude, organique, sur les pulsions et la désespérance, où l'expression brutale de la sexualité est parfois la seule échappée.